Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mercredi 25 septembre? Il est 13h10 bientôt. Bon, bien évidemment, ce n'est pas la même tête que hier, hein. Et je rentre de la séance il n'y a pas très longtemps là. Il y avait du monde sur la route, un bouchon. Oh, j'en avais marre. Et en plus, j'ai le hoquet. Je commence à avoir des crampes. Et je pense que je vais en parler au médecin parce que depuis que je fais 4h30, j'attrape des crampes. Donc, et c'est souvent sur la faim. Donc c'est quand même bizarre. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis fatiguée les amis. J'essaye de le faire en chanson, hein, comme vous le voyez. Réglisse, il est saoulant aujourd'hui. Je lui ai donné une gourmandise et lui, il voudrait le paquet, hein. Donc, il râle. Eh ben, je le laisse râler. C'est pas grave. Oh, j'ai mal à la tête. Pff, je suis fatiguée. Les amis, aujourd'hui, le temps, c'est mitigé, hein. Ce matin, quand je suis partie, il pleuvait. Là, ça s'est arrêté, mais c'est encore bien humide, hein. Bon, on verra bien, hein, mais il fait lourd. Je trouve qu'il fait lourd, il fait pas froid. Parce que moi, j'ai ouvert ma porte, là, et franchement, il fait pas froid. D'ailleurs, j'avais même éteint le chauffage dans la voiture, parce qu'il faisait super chaud. Hein. J'ai pris la caméra directement. Je n'ai pas encore mangé, parce que je réfléchis à ce que je vais manger. En fait, j'ai trop la flemme de me faire quelque chose. En fait, il me reste du bouillon. Donc, je pense que je vais manger ça. Faire réchauffer un petit peu, ça me fera du bien. Du coup, je n'ai pas été chez Amélie. Je ne pouvais pas. Du coup, bah, j'irai dans l'après-midi. Hein. Du coup, je l'ai prévenue. Hein. Du coup, j'irai dans l'après-midi. Ça a été dur aujourd'hui, la séance, les amis. Pas pour moi. Hein. Enfin, pour moi, entre guillemets. Hein. En fait, on a un patient, il est juste à côté de moi. Hein. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Qu'il n'est pas très bien dans sa peau, en fait. Depuis son hospitalisation, il est resté longtemps à l'hôpital, à 40 jours, le médecin m'a dit. Enfin, je le savais, hein, parce qu'il venait en dialyse avec nous. Et en plus, il est dans ma salle. Et il perd un petit peu la tête, j'ai l'impression. Et il dit qu'il a mal partout. Il crie. Mais vous savez, il crie. Il fait « Ah, ah !» Mais il crie fort, parce que c'est un homme, donc il y a de la voix, quoi, hein. Vous inquiétez pas pour ça, il y a de la voix. Et du coup, l'infirmière, elle essaye de faire tout son possible. Et nous, on dort pas, quoi. Pendant une heure, il a fait ça. On a essayé de tenir, mais après, on comprend quand même. Mais bon, il y a un moment, faut faire quelque chose, quoi. On est là pour se reposer quand même, nous aussi, hein. Du coup, je dis à l'infirmière, écoute, je dis, appelle le médecin. Faut faire quelque chose. On peut pas le laisser dans cette situation-là. Et en plus, le monsieur, il me faisait trop mal au cœur. Parce qu'il appelait son fils, enfin je suppose hein, que c'était son fils, après il disait un autre prénom de garçon, je pense que c'est peut-être un autre fils ou des neveux, et après il disait allez où ma nièce, je pense qu'il ne sait pas qui est à l'hôpital en fait, pourtant l'infirmière elle lui dit, hein, monsieur Attel, je ne me rappelle plus son nom, hein. Bon, de toute façon je ne l'aurais pas dit, et ben elle dit vous êtes à l'hôpital Attel, vous êtes en dialyse. Et après, elle lui dit, vous savez, faut arrêter de crier comme ça, il y a des gens à côté. Et là, il parle doucement, oui, je sais. Et hop, il recommence. Donc, le médecin est venu et il a fait le nécessaire, en fait. Hein. Donc, il a pu dormir un bon 2 heures, ça nous a fait du bien. Mais sur la fin, là, monsieur s'est réveillé. Hein. Bon, j'espère que vendredi, ça ira quand même. Hein. Parce que c'est pas évident, hein, je vous le dis, les amis. Hein. Je comprends ce monsieur, hein, mais après, c'est au médecin de faire le nécessaire, quoi. Bon, je voulais vous parler aussi d'un truc. Enfin, non, c'est pas parler, c'est de vous présenter. En fait, hier, je suis passée chez B&M. Et en fait, c'était juste pour aller faire un petit tour parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été. Et j'étais juste à côté. J'étais juste à côté, du coup j'ai voulu faire un petit tour. Bah franchement, j'ai rien trouvé. Parce que je cherchais des verres que j'avais vus, et j'ai rien trouvé.
Donc, je vais vous faire montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai pris des carambars goût barbe à papa. C'est pas pour moi, c'est pour Vincent. Parce qu'il les adore, il adore. Que Vincent, là, ça fait plus d'un an hein, qu'il mange plus de bonbons. Mais il dit, maman, moi, je préfère les carambars à la barbe à papa. Et j'en trouve que chez B&M, quand il y en a plein comme ça dans un seul paquet. Regardez. Regardez ce qu'il y a. Regardez tout l'air. Franchement, à quoi ça sert de faire tout ça hein? Il y a combien de grammes? 110 grammes. On paye hein, tout ça. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'il faut bien mettre l'inscription, il faut bien mettre les dessins et tout et tout. Donc, je lui ai pris un petit paquet comme ça. Moi, j'ai trouvé ça. Bah oui, les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de bonbons. Du coup, je me suis dit, allez, on se fait un petit plaisir. Des soucoupes bubble gum. Alors ça, moi, j'adore. Je ne sais pas si vous aimez ça avec la poudre et tout. Quand j'étais plus jeune, j'en mangeais beaucoup ça. Et c'est vrai que de temps en temps, j'en achète chez Action. De temps en temps. Et là, j'ai vu bubble gum. Jamais goûté. On va goûter après, les amis. On va goûter après. Du coup, j'ai pris de la semoule. Il y en avait là-bas pour couscous parce que c'est pour ce soir. Comme ça, je ne vais pas au magasin après, comme j'ai mal partout. Donc, de la graine de couscous moyenne. Et en plus, j'aime bien cette marque-là aussi. Voilà. Donc, tranquille. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai vu aussi des miettes de thon à la tomate de la marque Petit Navire à 1,98€. J'ai trouvé ça pas cher. C'est une boîte de 140 grammes. Donc franchement, je l'ai prise. J'ai dit Petit Navire, c'est quand même cher. Hein. Pour Eric, bah oui, j'ai pensé à lui aussi. Hein. Des petites ficelles comme ça à la fraise. Bon, ça sera pas que pour lui. Hein. Moi, j'aime bien ça aussi. En plus, c'est la marque Choupa Choups. Pas mal. Et j'ai voulu tester un produit de la marque Dasty. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je sais qu'on entend beaucoup parler de cette marque-là. Je crois que c'est une marque belge. Dites-moi si je me trompe. Et là, j'ai pris un gel pour toilette. Donc, voilà. Je vais le tester, puis je vous en dirai des nouvelles. Alors, franchement, il y avait des produits Fabulosa. Bon, il y en a tout le temps là-bas. Hein. Mais là, ils avaient fait une nouveauté. C'était à base de vinaigre blanc. Ensuite, il y avait des Airwick diffuseurs. Vous savez, parfums, là, les pchut-pchut. Fabulosa. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, j'allais craquer, les amis. Des petits pulls Halloween pour macho. Mais j'ai pas craqué. Il était pas cher, hein, même pas 4€. Je ne l'ai pas pris. J'aurais dû. Je regrette. Tant pis. On verra plus tard. Oh, j'ai des crampes, les amis. C'est douloureux, je vous jure. C'est très douloureux. Je vais aller reposer mon vieux squelette. Oh là 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 là. Oh, j'ai mal. Bon, allez, je vais les manger parce que j'ai faim. Et puis après, ça va être tard. Du coup, je vais enlever ma veste. Je suis contente d'être rentrée à la maison. Oh là là, trop contente. Et puis, trop contente aussi, parce que j'ai tout rangé hier, la maison. Donc, je suis trop contente. Il n'y a que Bigwell que je vais le faire passer dans l'après-midi, comme d'habitude. Le linge est lavé. Je l'ai pendu hier soir, du blanc et la couleur. La vaisselle, elle est faite. Mon gaz, ma cuisine, tout est propre. Le salon, c'est propre. Là, il y a juste la plaid en macho, hein, comme d'hab. Et puis, voilà. Ça fait du bien. Parce que surtout quand on n'est pas bien, ça fait du bien de rentrer et puis de rien faire. Là, j'ai reçu des prospectus. J'ai l'impression que je les ai déjà lus. Je sais pas. Alors, j'avais envie de faire des vidéos sur les prospectus que je reçois. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je sais que certaines d'entre vous ne reçoivent plus les prospectus. Si ça vous intéresserait, pourquoi pas.
Bon, allez, les amis, je vais les manger un petit peu. Et puis, je vais les mettre ça dans mon toilette. Je vais le tester. Allez, go, c'est parti. Bon, tout compte fait, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais le chou-fleur. Mais en fait, moi, j'aime bien remettre de la béchamel dessus. Et là, j'ai la flemme. Du coup, la semoule, ça sera pas pour ce soir. On va finir le chou-fleur ce soir. Je referai une béchamel et on mangera ça avec, comme prévu, les merguez et les poivrons farcis. Là, je suis en train de me faire chauffer un hamburger. Vous savez, les hamburgers sous vide, là, que j'avais acheté, je sais pas, c'était Lidl, je crois. Terminé. Je pense que c'était Lidl. Du coup, je vais voir, hein. Et je me fais aussi des coquillages Jacques. Il m'en restait deux. Du coup, je vais les manger également. Et ça sera très bien. Et ce soir, je me ferai un petit bol, hein. Un petit bol de bouillon. Et je mangerai un petit peu de viande avec le poivron farci là et du chou-fleur. Voilà. Bon, franchement, les amis, j'ai trop, trop envie de goûter tout de suite. Comme ça sent pas. Dégustation de bonbons. Comment ils appellent ça? Normalement, on dit des soucoupes. Alors, comment ils appellent ça? Vous savez ce que ça sent, les amis? Le malabar. Oh! Allez, on goûte. C'est bon. Trop bon. Oh là là. Aïe, je suis. Il n'y a pas de poudre dedans. Bah. Ah si. C'est trop bon, les amis. Allez. Sandrine, elle repart dans les bonbons. Non, non, non. Allez, le dernier. Oui, j'arrive. On ferme les yeux et on sent les chewing-gums. Ça fond tellement vite qu'on n'a pas le temps de déguster. C'est pour ça qu'on est obligé d'en prendre plusieurs. Bon, allez, je vais manger. J'espère que vous avez bien mangé aussi, vous. Et dites-moi ce que vous avez mangé ce midi, si ça peut me donner. Oh, j'ai envie de goûter ça aussi. Non, mais ça, je connais. Non, Sandrine. Ça suffit. Enfin. Bon, allez. Je vais manger mon hamburger. Enfin, je vais le goûter déjà. Parce que si j'aime pas, je le donnerai à Réglisse. Parce que Macho, il ne mangera pas. Et Pistache, encore moins. Et j'attendrai mes coquillages, Jacques. Voilà. Oui, j'arrive. Bon, allez, les amis. À miam miam. Bon, les amis. Je vous reprends assez tard, il est 20h45. On vient juste de terminer de manger parce qu'on a été chez Amélie, hein. Donc on a été tard, il était 19h. Non, 18h30. Ouais, 18h30 et 19h30, on est rentré. Bon, de toute façon, tout le monde allait bien. Hein. J'ai un chat, c'est ça qu'on dit? Un quoi? Oh oui, n'importe quoi. Non, on dit un chat ou bien quoi? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Une guêpe. Une guêpe? J'avais une guêpe, mais pas une guêpe, là. Et du coup, bah, on a mangé. Alors, j'ai fait, comme j'avais dit, hein, semoule,
avec j'ai sorti une boîte de tomates cerises. Je crois que c'est au basilic, non? T'as pas sorti du basilic dedans? Je l'ai acheté samedi quand on a fait les courses en Belgique. Et j'ai mis dedans, comment s'appelle ça? Des pois chiches. Et j'ai mis des épices avec la semoule et les merguez et les poivrons farcis. Et moi, j'ai mangé du bouillon. Bon, les poivrons farcis, il va le prendre demain pour le boulot parce qu'ils n'étaient pas assez cuits hein, pour ce soir. Donc, il a mangé des merguez. Et c'était bon, hein, hein. Donc, voilà, comme ça, ça c'est fait. Il reste encore un petit peu de bouillon, hein, donc ça sera pour moi ou pour toi demain, on verra. Ah non, demain, c'est hamburger. Bon, bah, on verra bien. On verra bien. Et puis, de toute façon, Vincent, il va sûrement en venir. Donc, je lui ferai des tupperwares. Et de toute façon, tout est dans le frigo. Après, au pire, samedi, dimanche, on finit les restes. Donc, il n'y aura pas de gâchis. Voilà, les amis. J'ai mis mon linge, déjà, qui est en train de sécher, là. Demain, j'aurai plus qu'à le plier. J'ai eu des crampes encore. Ça fait mal. Franchement, ça fait trop mal. Le pire, c'est les côtes. Ah ouais. Et tout à l'heure, ouais, quand je conduisais, une crampe à mon petit doigt. Il était carrément tordu. Hein? Oh là là, quelle misère. Du coup, ah ouais, puis j'ai mangé des œufs durs. J'avais envie d'œufs durs. Du coup, j'en ai fait deux. J'en ai mangé qu'un seul pour l'instant. Je sais pas, j'avais une petite envie comme ça. Et puis le dessert, bah, on verra, hein. Un fruit, un petit suisse ou un yaourt, on verra bien. Ou de la glace. Glace pistache ou... C'est quoi que j'ai pris moi? Abricot et vanille. Par contre, c'est ça que j'ai oublié, des cornets. Cornets. Bah ouais, à chaque fois je les oublie. Hein. Faut que je note. Faut que je note. Du coup, les amis, comment? Les crampes, ça m'a fatiguée. Je suis fatiguée, puis j'ai mal à la tête. Du coup, là, je vais les prendre une bonne douche. Parce que d'habitude, j'en prends une vite fait. Mais là, avec les crampes, c'est pas possible. Rien qu'à monter, faire des mouvements, j'ai trop mal, quoi. Donc là, je vais mettre mon pyjama. Je vais prendre une petite douche. Et puis, on va s'installer dans le canapé. Si j'arrive à me positionner, hein. Que c'est pas évident, franchement, pas évident. Aïe, vous voyez, moindre mouvement, ça me fait trop mal. J'espère que demain ça ira mieux. Demain sera un autre jour. Demain, déjà jeudi demain. Ouais, c'est ça. Oh, bah déjà, on vient de finir le week-end. Et ça va trop vite, hein. Tant mieux pour nous. Moi, j'adore le week-end. Hein. J'adore le week-end. Mais j'aime bien quand il arrive lundi aussi. Hein? Tout ça pour faire la séance, hein, parce que c'est dur hein, quand même. Donc voilà. Il n'y a que moi qui n'a pas encore été à la douche. Mais bon, je vais y aller. Hein. Il faut, il faut. Oh, j'étais crampe. C'est terrible. Tout à l'heure, chez Amélie, je me tenais sur son bar, comme ça. Puis je faisais des mouvements parce que j'avais trop mal. Ici, pareil. On dirait une fofolle. Hein? Bah, merci. Puis on peut pas me masser parce que ça fait mal. Je me rappelle quand Julie, elle est là. Et quand elle voit le midi, quand je rentre et que j'ai des crampes, elle essaye d'appuyer et de me masser, mais ça fait mal. Bon, sinon, si j'ai vraiment mal, enfin, j'ai vraiment mal. Mais je veux dire, si ça persiste, je prendrai un bloc de glace. Ah ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais le mettre dans une serviette, comme il faut à l'hôpital, puis je vais me le mettre là. Mais de toute façon, je vais en parler vendredi. Hein. Parce que c'est terrible, hein. Ma journée après, moi, elle est gâchée. Hein. Je peux rien faire. Alors que j'avais prévu de faire des choses. Hein. Enfin, je sortais pas, mais c'était pour dans la maison, en fait. Mais bon, bon allez, les amis. Le vlog n'est pas long aujourd'hui, hein, mais... Hier, j'ai fait un long vlog, donc je rattrape hein, un petit peu. Et puis bon, quand c'est les jours de séance, de toute façon, ça dépend. Des fois, c'est des longs vlogs, des fois, c'est des petits, ça dépend. Par contre, une chose. Demain,
c'est sûr et certain que c'est le tirage au sort des colis cadeaux. Promis, juré, craché, tout. Hein? Demain, je fais le tirage au sort. Demain, je me réveille, je prendrai mon petit déjeuner, mon petit café, mon petit thé, je sais pas, on verra demain. Et je regarderai les commentaires, je regarderai ceux qui veulent participer et je ferai le tirage au sort. Voilà les amis, comme ça, parce que là, ça devient urgent quand même. Hein. Et puis comme ça, je pourrais entamer après le colis cadeau beauté. Oh, ou bien je ferai tout en même temps. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait. Le colis cadeau, pouh, je suis tellement perdue. Le colis cadeau des vacances et le colis cadeau beauté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je ferai les deux en même temps. Comme ça, après, je pourrais attaquer sur le colis cadeau peut-être Halloween ou automne. Voilà, comme ça, je vais voir, on verra. Et puis après, bah, on approchera Noël. Donc ça sera peut-être un colis cadeau Noël. Voilà les amis. Donc promis juré, demain, je crache. Je ferai le tirage au sort. Parce que là, ça devient urgent. Bon, franchement, je peux vous dire que j'ai la flemme de faire la vaisselle. T'as la flemme de faire la vaisselle, toi? Bah ouais. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que deux assiettes. Non, une assiette, un bol. Bon, puis deux, trois bricoles. Bon, je vais voir si je la fais ou pas. Ouais. Ouais, je sais pas. Parce que après, j'aime pas quand ça traîne, ça m'énerve. Bon. On va déjà aller se laver. N'oubliez pas, les amis, si vous voulez que je vous fais des vidéos sur des prospectus. Si ça vous intéresse. Sinon, vous me dites oui, vous me dites non. Voilà. On verra ce que vous dites. Et puis voilà, oh, je suis fatiguée. J'espère que je vais bien dormir. Hein? Là, les amis, j'ai eu chaud avec le bouillon. Oh, ouais, j'ai eu vraiment chaud. Hein. Ça m'a fait trop du bien. Oh, c'est trop bon du bouillon. Là, demain midi, si j'ai faim, hein, j'ai envie de me faire du riz avec, il me reste deux poireaux, deux blancs de poireaux, il me reste. Et j'aime bien faire ça avec de la sauce blanche. Donc, peut-être ça. Et demain soir, c'est frites, hamburger. Hein? Je suis sûre que Vincent, il va venir demain. Parce que je lui ai dit, hein, je lui ai dit, demain, c'est frites, hamburger. Il m'a rien dit, je lui ai rien dit. On verra. Hein? Non. Demain? Bah oui, ça sera mieux que je fais montrer. Je vous ferai montrer demain, les amis, des pommes de terre. Il m'a ramené un gros sac de pommes de terre qui a été ramassé dans les champs. Avec autorisation, hein. Attention. Hein. Oui, avec autorisation. Hein. Franchement, les amis, vous verrez les pommes de terre. Il m'a ramené un gros sac, des grosses comme ça. Je sais pas si on va les utiliser pour les frites, parce que lui, il aime bien avoir des grandes frites, ou pour des pommes de terre au four. Et tu sais quoi? Je ferais bien aussi des pommes de terre macaire. Ah ouais? Vous savez, les amis, les pommes de terre macaire, c'est trop bon, ça. C'est trop, trop bon. Moi, j'adore ça. C'est vrai que j'en fais pas souvent, et je devrais en faire. On verra pour les menus de la semaine prochaine. Que là, on finit vraiment ce qui nous reste. Hein. La semaine prochaine, j'ai prévu un tagine parce que Julie, elle va rentrer. Du coup, ben, je ferai peut-être des pommes de terre macaire. Et puis voilà, hein. On verra la suite. Du coup, je vous ferai montrer demain les pommes de terre. Que là, il fait noir. Hein. Bon, allez. J'ai pas envie d'aller à la douche. J'ai pas envie de faire la vaisselle. J'ai envie de rien. Mais pas le choix, il faut y aller. Hein? Oh, je me ferais bien un petit thé après, non? On se fait un petit thé? Ouais. Comme ça, on va bien dormir. Ouais. Un petit thé. Bon, allez, les amis. Je vous laisse là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Hein?
Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez bien mangé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez mangé ce soir. Et puis, on se retrouve demain pour un prochain vlog avec moi. Gros bisous. À demain. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très, très, très important. À demain. Ciao.